bien bonjour tout le monde ici Trong, et aujourd'hui unboxing d'un jeu que j'ai précommandé, non, que j'ai commandé sur le site Red Art Game. Alors qu'est-ce que c'est Red Art Game? Donc c'est des développeurs de jeux qui développent des jeux AD et que sur leur site ils font des jeux en physique. Et il y en a un qui m'a tenté, que j'ai précommandé. Et je vais faire le boxing. Bon, en fait, c'est en plus un truc qui est quand même, ça sort pas mal de trucs. Je me tendais à un pack un peu plus gros. J'espère que je vais pas être déçu. Alors, je vais essayer de l'ouvrir avec ça. Bah, ah, ça. Ah, bah non, c'est bon. Eh ben, il y a tout, non. Ouf, non, c'est bon. Alors voilà le jeu que j'ai précommandé. Arietta of Spirit, voilà, of Spirit. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un Zelda Link to the Past like. Donc voilà le même style que Zelda Link to the Past like. Donc édition Red Edition, et comme vous voyez sur la boîte, la forme de la boîte ressemble à la comme les boîtes des jeux de Super NES hein, qu'on connaissait à l'époque. Mais c'est vrai que je m'attendais à un plus grand, mais franchement non, c'est joli, hein, petite taille comme ça, je trouve ça joli. Donc voilà, moi j'ai pris la plus grosse édition qui était à 60€. Il y a une édition donc sans la boîte, parce qu'il y a aussi d'autres trucs, vous verrez. Donc il y a juste le jeu en physique. Donc ça voilà, c'est sur Nintendo Switch, et il est aussi sorti sur PS4, mais il n'y a pas d'édition, c'est juste le jeu normal. Et moi c'est vrai que c'était plus l'édition qui m'intéressait, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Et putain, regardez, putain, en plus on voit bien, donc voilà l'image, on voit le... Hop, le logo du jeu. Il y a quoi? Ouais, il y a que le logo du jeu partout. Donc j'ai envie de... Je vais l'ouvrir sans abîmer le carton, parce que c'est quand même un... C'est quand même... Voilà, parce que pour le prix GP, j'ai bien envie d'avoir gardé mon petit carton intact. Ah, c'est bon, j'y arrive. Hein. Il y a quand même pas mal de trucs dedans. Ah, voilà, je vais doucement. L'ouvrir doucement. Donc, le jeu en physique, le jeu, voilà. Donc, la boîtier. On a le stickbook, regardez, le beau stickbook. En plus, ouais, il y a une sorte de trait là, c'est. Il est comment l'intérieur? Donc, voilà, à l'intérieur. On a. Le petit CD, regardez, donc c'est un CD avec toutes les musiques du jeu. Voilà, original sous Drake. Et ça, ah, c'est un poster. Donc voilà, il y a, hop là, le poster comme ça. Alors, je sais pas si je peux. Voilà. Et comme ça. Donc voilà, bon, le jeu je l'avais précommandé il y a une semaine, et bah, comme m'avait dit mon ami Grand Poney, qui m'a dit que je l'aurai bientôt, tu avais raison Grand Poney, et bah voilà, il est arrivé, parce que j'ai vu une personne sur Facebook, parce que c'est sur Facebook que j'ai appris cette édition là, il l'avait précommandé, donc il n'était pas encore officiellement chez les éditions, et lui il a attendu 6 mois, donc moi j'ai cru aller attendre 6 mois, mais non, j'ai attendu moins longtemps. Et franchement, moi je vous dis franchement, je préfère précommander un jeu comme ça, hein, que un gros collector de God of War Ragnarok qui te fournit donc avec un jeu qui te fournit un jeu avec un code en démo, parce que moi l'avantage dans ce jeu, dans cette édition, t'as le physique, voilà, la petite cartouche. Donc je verrai, je ferai peut-être un de ces quatre, un petit live. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein, moi, je vous dis, le jeu, si vous voulez tester, il y a la démo sur la Switch. Moi, je l'ai testé, il était bien. C'était Trong et je vous dis...